Il va falloir qu'on trouve des diamants qu'on n'a pas trouvé encore. Normalement, on doit pouvoir recruter les pégus qui sont là-bas au fond. Et après, on va devoir lever le bateau. Parce que là, on n'a rien là. Pas un seul diamant. Et ça veut dire que pour revenir sur l'île, ça va être une catastrophe. Elle sera toute démontée, quoi. J'ai pas un seul coffre, j'ai rien. Ok, ok, ok. Bon, bah au moins on le sait, hein. Ça va être compliqué. Alors il y a eu des modifications sur le jeu, hein. Comme vous voyez, il y a eu des mises à jour qui sont très intéressantes et qui valent le coup d'être testées et d'être... Je mettrais bien des archers là-dessus. Ça fait loin hein, quand même, ça fait un sacré chemin. Parce que même ça, c'est 3 rubis. Ouais, il va falloir qu'on aille jusqu'au bateau au moins pour pouvoir progresser. Je pense que ça va être... Ça va être le standard là pour le coup. Mais bon, une fois qu'on aura suffisamment de marteaux dans tous les sens, ça sera pas mal. Là déjà l'argent va être bien. On a quand même des débuts de fermier là. On va avancer, on va avancer. Il faut rajouter des gens. Faire ça ici. Je vais aller voir si je peux recruter encore des gens. N'hésitez pas à ceux qui sont présents sur le live. Si vous avez des questions par rapport au jeu que vous ne connaissez pas, si vous voulez voir des choses particulières, enfin, en tout cas, si vous avez des petits défis ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à proposer. Il n'y a pas de souci là-dessus. Oh merde, j'ai fait le con. J'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû faire ça. Ça va être compliqué maintenant à défendre ça. Salut à toi, juste comme ça. Ah, c'est bon, on a eu assez de maçons. Rajouter encore, vas-y, va poser des pièces, tiens. Mets des pièces de côté. J'espère que ça tiendra de là-bas. C'est vrai que j'ai deux murs côte à côte, mais c'est pas super rentable cette histoire. Hein.
Au prix des flèches, vous êtes obligé de les mettre dans l'eau, non? Bon, par contre, il va falloir qu'on parte de cette île très rapidement. Si on veut débloquer les autres éléments ô combien importants. Ok, on va pouvoir ajouter un Pégu de plus. Tiens! Va servir ta reine. Bon, ça va défendre, c'est déjà ça. Donc on a les paysans qui ont fait le taf. Très bien qu'ils continuent. Le mur ici est bien. Merci pour la pièce. Il protège le bateau. Bah il est bien le bateau. D'accord, il l'emmène ici. Ça marche. Est-ce qu'on a mieux? Bon, on perd un peu de pièces, mais un peu. C'est pas grave ça. Dites les paysans là. Ok, donc là déjà, on a le premier secteur qui est quasiment fait. Le souci étant, c'est qu'on n'a pas, on n'a pas vraiment de quoi être bien pour la suite, quoi. On passe à la prochaine île, mais on n'a pas de quoi construire en pierre pour l'instant. Et ils appellent ça une tour. Une tour. Bon. Il faut avouer que c'est un peu frugal quand même comme truc, hein. Paysans, elles sont où les vaches mauves? Allez! On va essayer de se retrouver avec quelque chose de potable ici parce que y a rien là pour l'instant. Tiens, va bosser toi. Pour l'instant quoi. Bon. Bon, on va changer d'île hein, parce qu'on peut pas faire mieux pour l'instant. On n'a rien débloqué d'intéressant et c'est ce qui m'inquiète un petit peu. On est que jour 5, c'est pas grave mais enfin, jour 5. Jour 9, ouais. Ouais, jour 5, jour 9, c'est la même chose. Quoi. Ouais, c'est pas parce qu'on est reine qu'on sait compter, hein. Faut arrêter. On est parti, il y avait rien. On avait qu'un cheval, une couronne et un bout de pièce qu'on a pu donner un peu à droite à gauche. Donc. Envoyer bosser celui-là.
Bon, je sais pas ce que vous en pensez de l'ambiance, mais les Deadlands, j'aime beaucoup. Tout, tout. J'ai l'impression que des gars perdent leurs arcs, mais bon allez, on change de patelin. C'est mal famé ici. Allez, on se casse. Ouais, par contre, j'ai pas de fermier. Ok. Construire et tente défendre. Ça, ça va. Il n'y a pas de fermier. Ok. Donc, on peut passer à la deuxième île. Donc là, on voit qu'il y a un portail. On n'a pas débloqué le cheval. On n'a pas débloqué les archers. Et on n'a pas débloqué le gars qui pourrait nous donner des balistes. Donc pour l'instant c'est un peu compliqué. On a construit le pont apparemment. Mais voilà. De ce côté-ci on pourrait avoir le cerf. On pourrait avoir le fermier. On pourrait avoir le chien. On pourrait avoir... Alors ça je pense que c'est la caverne de l'ours. Et d'autres choses que je ne vois pas. Ou que je ne comprends pas pour l'instant. Pas de portail de découvert pour le moment. Bah allons-y hein. Avec notre cheval mort-vivant là. Bon, on va commencer déjà. Ouh, c'est quoi ce beau bateau derrière? Ouais, on va peut-être faire d'abord un constructeur aussi, c'est accessoirement. Hein. Mangeons un peu. Et est-ce qu'on a du Pégu dans le coin? On a un gros coffre. Ah ouais mais les diamants ils... Oula. Ok. J'ai pas compris ce qu'on a fait, on l'a fait hein. On va au moins se construire de quoi dormir. Salut à toi, Métis. Ah, il est beau l'arrière-fond, hein, par contre. Hein. Franchement, il est magnifique. Hein. C'est super beau. Bon, par contre, il est allé faire quoi de là-bas?
Hein? Qu'est-ce qu'on a fait? Attends, qu'est-ce qu'on a fait? On a changé de costume, non? Moins un. Ah, moins une fortification pour l'instant. Là, il y a trois portails, il y en a 5 gemmes, on en a récupéré 3 déjà. Et là, pourquoi il y a moins un? Alors, est-ce que ça veut dire que ça fait moins un territoire à partir duquel on est allé? Faut qu'on se renseigne, faut qu'on regarde. Mais il y a des choses intéressantes à regarder. Ouais, j'ai changé de tête, ouais, je vois ça. Alors, ça m'a coûté que des pièces, je m'en fous. Le cheval, il est tout aussi sympa. Mais par contre, faut que je trouve du gars, quoi. Et on a le bateau juste à côté, c'est déjà ça, mais va devoir creuser tout autour quand même, hein. T'as payé un mec qui prenne ta place, je sais pas, mais faudrait jouer sans le DLC pour voir les événements. Parce que les événements en fait sont les mêmes que dans le jeu standard. C'est juste que ils sont pas présentés de la même façon en fonction du DLC. Donc, quand vous jouez le DLC Samouraï Shogun, il me semble que sur la map tu trouveras une sorte de grand portrait qui te permettra de switcher de skin. Et ce skin a un pouvoir. Bah, apparemment j'ai l'air d'avoir un pouvoir, sauf que je sais pas m'en servir quoi pour l'instant. Là c'est pour avoir le cerf, on est bien d'accord. Est-ce que j'ai besoin du cerf maintenant? Je pense pas. On devrait avoir les premiers portails sous peu. Je sécuriserais bien le coin, mais sauf que ici il n'y a pas de. Ouais, le monticule est pas au bon endroit. Le monticule est pas au bon endroit. Ouais, le portail est là. Le portail est juste là. Non, bien sûr, juste comme ça, pas de soucis. Je vais bien apprendre par moi-même, t'en fais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on va avancer. Par contre, j'ai pas de marchand. Ah si, le marchand est de ce côté-là, merde! Ah oui, le marchand est de ce côté-là. Ok. En fait, t'as tous les événements qui sont là. Hein. Ils sont là sur toutes les parties, normalement. Alors, je me trompe peut-être, hein, mais de mémoire, il me semble que tous les événements sont là. Après, c'est plus ou moins dangereux, on va dire. Ah oui, donc lui, il est là. Ok. J'aurais envie de sécuriser le premier portail, sauf qu'il me faudrait le faire.
J'ai pas eu le bois encore. Tac tac tac. Ok. On a fait la forteresse. Bon, on a notre chez nous enfin. Une vraie maison. Il va falloir recruter de l'autre côté. Parce que j'aurais besoin de plusieurs constructeurs, ce que je n'ai pas pour l'instant. Mais bon, la reine s'est transformée en roi pour l'instant, donc pourquoi pas. Pas aux pièces. Ok, c'est bon. Il range les pièces. Parfait. Parce que bon, pour l'instant on a un skin donc c'est un pouvoir je pense pour le roi ou la reine. Après si on prend le cerf normalement on devrait pas être sur le même truc. Donc c'est là où c'est un peu gênant. J'ai envie de casser ça. Voir si on peut obtenir quelque chose. Et pour l'instant on peut pas chasser de ce côté-là. Enfin on peut pas faire tout ce qu'on veut. C'est certain parce qu'il y a le portail. Et le portail est une gêne. Et tant que lui il fasse tout le chemin. Mais il va me falloir plus de fabricants, hein. Il va me falloir plus de fabricants pour le coup, plus de constructeurs parce que je suis pas si bien que ça. Bon, pour l'instant, j'ai pas besoin de grandir trop de ce côté-là, mais m'embête un peu. J'ai pas trop de. Ok, donc ça on a dit que c'était le marchand, d'accord. Ce qu'il me faudrait au moins alors. Ah, le chien! J'ai mon chien décharné! J'ai mon loulou! Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est la carrière de pierre! Oh putain. Viens là le chien. Viens avec moi le chien. Qu'on perde pas le chien dès le début alors qu'on vient juste de l'avoir, ça serait complètement con. Et il est complètement décharné le chien. Allez, on peut tenir normalement. Si c'est bon. Je devrais pouvoir être bon. Le chien devrait pas se faire attraper. Ah mais vous avez gardé toutes ces pièces là, bande de cons.
Bande de cons est lâchée. Ok, si on va rester là. Allez, donne la thune, toi. Mais vous avez fini de lui piquer sa thune, lui? C'est pas possible, ça! Par contre, il faut arriver à sécuriser le marchand. Pour l'instant, on n'en est pas bien là, quoi. Bon, on va déjà sécuriser la pierre. On va déjà sécuriser la pierre. Là, on a ça. C'est le fermier. C'est le fermier, d'accord. Sauf que le fermier, j'ai pas envie de l'utiliser maintenant. Ça, c'est trop tôt. Donc, on va pouvoir améliorer en pierre. Ça, c'est pas mal. Déjà, on va pouvoir améliorer en pierre. Mais il va falloir faire venir les constructeurs jusque-là, quoi. Pour sécuriser la clairière et revenir pour au moins sécuriser le marchand derrière. Ou alors il va falloir qu'on améliore. Ah, par contre, il y a pas à chier. Hein. Je suis désolé, mais le bateau derrière, il est magnifique. J'ai envie de faire ça. Ok, donc on va avoir les fermiers. On devrait pouvoir... Si lui veut bien donner la thune. Pas de thune, toi? Voilà. On va essayer d'aller recruter quand même. Il est magnifique mais plus trop fonctionnel. Oui, c'est vrai. T'es pas content, je sais. Ouais, ça m'embête par contre. Ça m'embête. Parce que j'ai pas de mur pour lancer la croisade ou quoi que ce soit ici pour l'instant. Est-ce qu'on pourrait venir jusqu'ici en foutant des murs? Je crois pas, hein. Ce que je mettrais bien pour pouvoir faire des fermes, commencer à se faire de l'argent. Parce que ça déjà l'avancée de 1, ça serait bien.
Ça, je peux pas le casser. Je peux pas le casser comme ça, ça. Hein. Faut que je recrute, il faut que je recrute. Là, c'est peut-être l'arche de Noé échouée comme ça sur une montagne. Oui, je pense que c'est la référence. Je pense que c'est la référence pour le coup.